Le renard grincheux. Une nouvelle journée ensoleillée commence. Connie en profite pour partir se promener dans la campagne avec son ami Toby. Au bout d'un moment, Connie aperçoit un renard qui vient dans leur direction. Bonjour, monsieur renard. Il fait beau, n'est-ce pas? Pourquoi tout le monde se sent obligé de dire bonjour? Connie trouve que ce renard n'est pas très sympathique. Elle se dit que ce n'est pas très gentil de maugréer contre quelqu'un qui vous dit bonjour. Le renard continue sa route avec sa mine grincheuse. Bonjour! Assez, ce n'est pas du tout un bonjour. Il fait trop chaud, alors du balai! Les papillons s'envolent et disparaissent au loin. Connie et Toby se disent que Grognon a besoin d'aide. Aussi décident-ils de le suivre discrètement. Je cherche quelque chose à manger depuis ce matin et je n'ai encore rien trouvé. Auriez-vous faim? Que diriez-vous de venir dans ma maison et de manger avec nous? Je ne supporte plus les gens qui vous invitent à manger. Je suis capable de trouver mon repas tout seul. Grognon reprend ses recherches et s'arrête devant un beau champignon rouge. Vous, ne touchez pas à ce champignon, vous risquez d'être très malade! Lui dit la Marguerite. Connie et Toby sont très inquiets pour le renard. Je n'ai pas besoin de ton avis, je suis certain qu'il n'y a pas le moindre danger. Miam! Après avoir avalé le champignon vénéneux, Grognon reprend tranquillement sa route, ravi d'avoir trouvé de quoi rassasier sa faim. Connie et Toby se disent que le champignon est très mauvais pour lui. Aussi le suivent-ils. Et très vite, Grognon commence à ressentir d'étranges douleurs. Mais que m'arrive-t-il? Je ne me sens pas bien. Connie et Toby constatent que Grognon souffre beaucoup et se désolent sincèrement pour lui. Vous auriez dû écouter les conseils de la fleur. Oui, c'est vrai, je sais, Dieu a raison. Oh, ça fait mal. Si seulement nous savions comment nous pouvons t'aider. À ce moment précis, passe une colonne de fourmis très amicales. Bonjour les fourmis. Ce renard vient d'avaler un champignon, un vénéneux. Et maintenant, il se sent très malade. Pouvez-vous lui venir en aide? Bien sûr, nous le pouvons. Rassurez-vous, il ira mieux en un rien de temps. Mais pour cela, nous avons besoin d'un peu d'eau. Très bien, nous allons de ce pas vous chercher de l'eau. Allons-y. Avant toute chose, Connie part chercher un seau pour transporter l'eau. Connie et Toby sont heureux. Ils vont pouvoir rapporter aux fourmis l'eau dont elles ont besoin. Mais l'eau s'écoule par un petit trou au fond du seau. Oh non! Toby, regarde, le seau est vide! Tu en es sûr? Peut-être qu'un fond suffit. Mais malheureusement, Connie a raison. Il n'y a plus d'eau dans le seau. Il ne reste même pas une seule petite goutte. Connie et Toby ne savent plus quoi faire. Il faut que nous trouvions une solution. As-tu une idée, toi, Toby? Nous pouvons mettre plus d'eau dans le seau. Seulement, tu vois, nous ne savons pas s'il y en aura assez pour aller jusqu'au bout. C'est alors qu'apparaît un très gentil crabe. Bonjour les amis, j'ai tout entendu et j'ai peut-être trouvé un moyen de vous aider. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un gros morceau de glace. Oh, ce n'est pas de la glace que nous voulons, c'est de l'eau? Mais voyons, la glace n'est rien d'autre que de l'eau gelée. Il n'y a rien là qui doive vous surprendre. Suivez-moi et vous allez comprendre. Comme il se déplace vite pour un si petit crabe. De retour à la rivière, le crabe leur explique qu'au début du printemps, la neige des montagnes commence à fondre et que des morceaux de glace tombent dans la rivière. Nous en avons trouvé un. Le crabe repart rapidement avec le morceau de glace. Connie et Toby lui emboîtent le pas avec enthousiasme. Pauvre de moi, mais pourquoi ne sont-ils pas encore revenus avec de l'eau? Calme-toi, nous voilà.
Tu vas très vite te sentir beaucoup mieux, tu vas voir. Oui, nous t'avons trouvé un adorable morceau de glace dans la rivière. Ce n'est pas de la glace dont j'ai besoin. Vous étiez censé me rapporter de l'eau, non? Un peu de patience, la journée est chaude. La glace ne tardera pas à se changer en eau. Et pendant que la glace est en train de fondre, une des fourmis apporte quelques plantes spéciales. Ces plantes mélangées avec de l'eau vous feront vous sentir beaucoup mieux. Dès que la mixture est prête, Grognon le renard la boit entièrement. Ouais, je me sens beaucoup mieux. Merci beaucoup pour votre aide. Conny et tous ses amis sont très heureux de constater que Grognon est guéri. Vous savez, c'était très gentil de votre part. Accepteriez-vous d'être mes amis? Nous avons envie d'être tes amis, même si tu es grincheux. Moi? Grincheux? Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Cette nuit, Conny prend conscience que parfois, les animaux les plus grincheux sont ceux qui ont en fait le plus besoin d'aide. Si nous sommes gentils avec eux, ils peuvent devenir nos meilleurs amis, exactement comme Grognon le renard.